Seigneur, il le faut. Change-moi, nettoie-moi, transforme-moi. Remets le compteur au début, crée en moi un renouveau. J'ai tant besoin de toi, Seigneur. Alors brise-moi, façonne-moi, nettoie-moi tout ce qui n'est pas de toi, Seigneur. Recommence-moi à zéro, change-moi, transforme-moi, enlève-moi tout mal, toute blessure, Seigneur, lave-moi. Ce mal au fond de moi, la douleur de mon âme a conduit ma raison au drame. Mais à genoux, j'implore ton secours, car à toi seul est capable de changer mon cœur. Recommence-moi zéro. Recommence-moi. Recommence-moi. Recommence-moi zéro. Recommence-moi. Recommence-moi zéro. Recommence-moi.
Recommence-moi que. Recommence-moi zéro. Recommence-moi. J'ai tant besoin d'un renouveau. Recommence-moi zéro. Recommence-moi. J'ai tant besoin d'un renouveau. Recommence-moi zéro. Oh, oh, oh. Recommence-moi. Remets le compteur au début. Recommence-moi zéro. Recommence-moi. J'ai tant besoin de renouveau. Recommence-moi zéro. Oh, oh, oh. Recommence-moi. Oh, oh, oh. Recommence-moi zéro. Recommence-moi. Remets le compteur au début. Recommence-moi zéro. Remets le compteur au début. Recommence-moi. Remets le compteur au début. Recommence-moi zéro. Yeah, yeah, yeah. Recommence-moi. Merci pour cette vraiment belle chanson qui nous rappelle effectivement qu'on a besoin d'être brisé régulièrement. Mais juste avant de parler de cette chanson, est-ce que tu peux te présenter tout simplement ? Bien sûr. Ben, merci déjà pour l'invitation. Donc, mon nom est Marius Minsongo, j'ai 34 ans, je suis marié et père de deux enfants, de jolis petits-enfants. donc voilà, donc, je fais également partie de la chorale gospel Les Chérubins. Okay. Voilà, qui de l'église de Bethel AUFPC. Donc, très connu à l'époque sous le nom de Chérubin de Sarcelles, de Sarcelles voilà. Mais qui n'est plus à Sarcelles depuis longtemps. Exactement. Hein. Ouais. Voilà. Petite parenthèse. Voilà, donc le Seigneur m'a béni et m'a permis maintenant de me lancer dans une carrière, entre guillemets, solo. Je dis bien entre guillemets parce que je suis toujours membre de la chorale. Et donc, tu as sorti également un album, oui. Il y a quelques années, uniquement avec tes compositions. Exactement. D'accord, et c'est essentiellement des chansons de louange ou pas ? Alors justement, c'était un peu mon débat avec le Seigneur, parce que de base, je voulais faire un album de louange et d'adoration, ben, comme mes frères et sœurs. Et je remarquais qu'en fait, que le Seigneur m'inspirait seulement du moins surtout pour cet album, des chants d'encouragement. D'encouragement, okay. Et d'exhortation. C'est... Et du coup, bah, un jour, j'ai demandé au Seigneur, j'ai dit, mais Seigneur, pourquoi tu ne me donnes pas des louanges, d'adoration, où on peut adorer, etc. Et la réponse a été radicale. Mais en fait, il m'a dit, ce que je te donne, tu le prends. Point, d'accord, bah tout. Oui. Bon, je dis, j'ai pas chipoté. Je dis, ok, bon, je prends. Ok, super. Et donc, Brise-moi, qu'on vient d'entendre, et dans cet album, oui. Fait partie de ces chants d'encouragement. Exactement. Comment t'as reçu ce chant ? Je l'ai reçu principalement dans la prière. Donc, j'étais à une retraite spirituelle avec les jeunes de mon assemblée. Okay. Et c'est vrai que pendant cette période-là, c'est pas que j'étais dans le questionnement, mais je sentais en moi beaucoup d'orgueil. D'accord. Beaucoup, beaucoup d'orgueil. Vous savez, lorsque vous commencez à suivre le Seigneur et que le Seigneur vous utilise et que l'on commence à entendre des témoignages à gauche et à droite, oh Marius, oh, j'ai été béni quand t'as chanté, voilà, il y a eu ci, il y a eu ça, il y a eu ça. Et surtout lorsque nous sommes nouveaux convertis, on a un peu les chevilles qui enflent, ouais. On a un peu la tête qui gonfle jusqu'à exploser. Et moi, j'étais dans ce cas-là, j'étais dans cette situation-là, c'est que j'avais vraiment. Je commençais à avoir un ego assez démesuré. D'accord. Et vraiment, Dieu est merveilleux, parce qu'avant que j'aille dans cette fameuse retraite, j'étais en veillée de prière avec la chorale, en fait. Mm-hmm. Et pendant la prière avec la chorale, le Seigneur m'a donné une vision, en fait. Cette vision, c'était un mur de briques. Et je voyais un monsieur bien costaud, bien baraqué. On aurait dit un soldat, parce qu'il était habillé en treillis. D'accord. Avec un gros marteau. Vous savez, les marteaux de chantier ? Ouais. Il était en train de casser un mur. D'accord. Et moi, j'étais un peu intrigué par cette vision. Je me dis, mais qu'est-ce que ça veut dire ? Et le monsieur s'est arrêté de taper sur le mur. Il s'est retourné vers moi et il a dit, tu as besoin d'être brisé. Bon, j'ai vu le marteau, j'ai vu le mur. Je me suis dit, bon, ça risque d'être douloureux. Oui, c'est ça. Je dis, bon, ok, d'accord. Et tout de suite après, j'étais avec un frère de la chorale. Donc, nous avons rejoint nos autres frères à la retraite spirituelle. Ok. Et là, pareil, dans la prière, notre pasteur...
notre pasteur nous a dit de nous mettre dans un coin et de continuer à prier, voilà, de se laisser inspirer. Et le chant est descendu comme ça sur moi. Ok. Boom. Wow. Il est descendu comme ça sur moi. Le refrain, je l'ai écrit devant tout le monde, en fait. Ce chant-là, je l'ai écrit devant tout le monde. D'accord. Et les accords que j'utilise pour ce chant sont les premiers accords que j'ai appris à la guitare. Waouh, ok, tout simplement. Voilà, tout simplement. Donc c'est un chant qui peut être repris par tout le monde, quoi. Exactement, c'est un chant très facile à chanter, très facile à jouer à la guitare. Et je bénis le Seigneur parce que, bon, quand je l'ai reçu, bien sûr, l'excitation, oh super, génial. Mais l'image est revenue. Attention, Marius, ce chant-là, c'est un brisement. Donc voilà. Et donc j'ai vécu ce brisement. J'ai vraiment vécu ce brisement et le Seigneur m'a vraiment renouvelé au travers de ce chant et je bénis Dieu parce qu'il a renouvelé également énormément de personnes qui ont écouté ce chant. Donc ce chant vraiment c'est un cri, c'est une prière et c'est surtout un changement en fait, ouais. Un changement, une transformation. Moi ce que j'ai bien aimé dans ce chant, c'est que ça ne fait pas seulement appel au brisement dans ce que vous chantez, c'est que brise-moi, recommence-moi à zéro. Et je pense que c'est important de se rappeler que Dieu ne fait pas juste briser. Exactement. Pour te briser, mais il brise pour recommencer. Et pouvoir nous façonner comme un. Donc c'est vraiment, je trouvais ça bien, quoi, vraiment bien comme parole et inspirant. Et se rappeler que oui, Dieu nous brise, mais c'est pour dans un but de nous recommencer à zéro. De recommencer. C'est un peu comme une seconde chance en fait. C'est ça. Que le Seigneur nous donne. Et ce qui est bien avec Dieu, c'est qu'il est patient. Il est bien plus patient que nous. Ouais. Et lorsqu'il nous donne cette seconde chance. C'est pas comme s'il nous disait c'est ta dernière chance. Ouais. Non, il est pas comme ça. Néanmoins, ça, il attend de nous du sérieux quand même dans bien cette sûr, marche, bien parce qu'on peut pas non plus jouer avec lui. Bien personne sûr. Ne joue avec lui. Donc voilà, c'est une chance qu'il nous donne à chaque fois, une chance, une grâce, je dirais même, une grâce qu'il nous donne, qui renouvelle sans cesse envers nous. Et c'est vraiment l'amour de Dieu. C'est vraiment l'amour de Dieu. Super. Merci Marius. Merci à toi. Si ce chant vous a touché, on vous invite bien sûr à le reprendre dans votre église. En tout cas, apprenez-le, les accords sont faciles. On vous met le lien de la partition juste en dessous dans la description. N'hésitez pas, c'est pour vous. Merci. Brise-moi, façonne-moi, mets-toi en moi. Avant moi.